Action ça, nous pourrons regarder là, les passés en République dominicaine, donc c'est triste pour Haïtiens qui vivent en République dominicaine. La police passe ses mains sous base 400 Marozoa et sous base Canaran. Restez connectés, mesdames et messieurs, et nous avons plus de détails pour vous. Gain à Abel Décolline, ancien député qui mandé pour nous faire un genre pour retirer le pays dans l'État lié, je ne le dis pas, parce que le pays n'a pas gouverné par des gens qui nan tête pays a son paquet rejet social qui nan tête pays a en tout cas mesdames et messieurs restez connectés nous venons avec en pile information pour vous jeudi mardi 11 juillet 2023 par rater un épisode dans émission ça parce que Jacout nous chargé qu'on les ban après tourner après un petit coup de pause pour nous capable continuer ba ou information yo dans bon timamite. Parler de tous les problèmes culturels, sociaux, économiques et politiques, le rendez-vous est unique. Tous les jours, Messac News. Bonjour, bonsoir la famille, tout dépendamment de qui l'a écouté, n'a regardé et recevoir tranche émission ça. Et pas oublier abonner, liker, partager, quitter un commentaire dans l'espace qui est réservé à commentaire. On apprend directement dans le développement journal là. La police mettait en barcode 3 coué qui fait partie du groupe gang 400 Marozoa et la police pointe au ça la voix et la police saisit 3 machines et bientôt ça c'est Bernard Fenol et puis Jean Gardi et puis Félix Mackinson et bien alias Pouchon et bien et la police rivé mettait la patte sous tout ça l'île à voix et bien mesdames et messieurs c'était bien compté mal calculé pour tout ça et bien la police lui-même li pas nan bêtisé avec vagabond qui pensait yo capable si men la troublaille nan mitan population et bien la police rivé mettait la patte sous toi l'autre papa couré qui t'a fait partie du gang Canaran et bien c'était bien compté mal calculé pour tout ça autour et bien vers 11h du matin l'Ilavoie 39 zone située dans la commune de Quadabouquet et bien toi tout ça joindre arrestation yo et bien c'était Calix France et gagné Merge Joseph et puis Geoffroy Wilken. Eh bien, nous dit félicitations à la police qui mettait tout en bacode. Mais l'étape plus bon c'était population qui mettait main sous tout ça. Donc c'est un belle coup de bois calé l'étape. Yo bon mesdames et messieurs, jeune garçon ça mouri matin en République Dominicaine Bavalo, il était sous une machine pendant les ouais immigration et puis il voulait tomber à terre et puis il tout mouri. Machine l'été là dedans t'as couru avec toute vitesse mesdames et messieurs moi trouvé ça vraiment triste pour un jeune garçon ou dans machine ou dans une machine et pendant que ouais immigration voyait tête à tête trouvé ça triste et ça inconcevable mais c'est ça et bien j'en regarde là monsieur est mouri fret. En tout cas, ça passait en République Dominicaine. Et j'aime te dire, nous, mesdames et messieurs, gagné ancien député et Abel Décolline qui dénonçait acteurs politiques qui pas jamais qu'à joindre un consensus pour faire payer à marcher en coûté ancien député Abel Décolline. Mais globalement, nous reconnaître que situation paysanne est inquiétante à tous les niveaux. Bien que dans le niveau concertation politique ou compromis historique, là, nous toujours dit aucun pays ne sort indemne de la mauvaise gouvernance. Ça veut dire dégradation situation pays a commencé depuis avant deux dernières années qui sont passées là. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible lorsque des secteurs ont critiqué gouvernance Premier ministre Ariel Henry parce que c'est lui-même qui gagnait réalité pouvoir depuis deux ans. Deux dernières années qui sont passées là, c'est également un bilan négatif pour les forces en présence. Depuis deux ans, presque toutes ont dénoncé
pouvoir Premier ministre Ariel Henry. Depuis 2 ans, presque tout a réclamé départ Premier ministre Ariel Henry. Mais ça fait tout 2 ans. Depuis presque tout dit y a travail pour joindre un consensus entier. 2 ans après, presque tout acteur saillot a fonctionné en ordre dispersé. 2 ans après, accord qui te paraît comme plus ou moins une démarche acceptable, au lieu pour accord ça a renforcé, nous constater les désagréger pour ne pas dire les disloquer. Dans le niveau concertation politique ou compromis historique, là, nous avons demandé est-ce que nous sommes capables de continuer à faire un peuple à souffrir, à attendre un consensus large qui ne peut jamais arriver. Pour nous, dans la concertation politique pour compromis historique, là, ça paraît comme une forme de cynisme politique. Nous toujours fait effort dans le niveau concertation hein, pour ne pas être haïtien hein, vérité. La vérité, c'est que nous avons raté la transition de rupture. Désormais, peuple haïtien a hein, pour lui organiser avec intelligence. Les conditions yo va réunir pour une élection dans le pays hein, pour le peuple là. Fait choix moun qui compétent, qui honnête, qui gagne vision, yon façon pour nous capable gagner dans tête pays à tous les niveaux, yon pouvoir de rupture. C'est pour raison ça. Concertation politique pour compromis historique là a demandé Premier ministre Ariel Henry pour lui passer de la parole aux actes, à savoir faites tout ça qui est nécessaire dans un temps record pour élargir le consensus. Procéder à la formation d'un gouvernement avec des gens qui ont le sens de la gouvernance, le sens de la responsabilité. Soumettre à la CTA, non-personnalité qui doit faire partie d'un conseil électoral équilibré. Parce que pour nous, dans le niveau concertation politique pour compromis historique, là, toute alternance de transition en transition capable de conduire le pays à dans sa relais en boîte de Pandore. Je dis, c'est le Premier ministre Ariel Henry, avec ses partenaires, ses alliés, qui a dirigé la transition. Si demain, par la force des choses, par la force des événements, on obtiendrait le départ du Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement, il faut espérer et nous presque convaincus dans le niveau concertation. Le groupe qui a gagné pour remplacer le Premier ministre Ariel Henry pourra le joindre en face. Une autre énième catégorie acteurs qui pourra le remettre en question deuxième pouvoir transition ça et qui pourra exiger faut que c'est eux-mêmes qui prend pouvoir pour être capable de réaliser transition. Parce que la réalité, depuis 2 ans, il n'y a consensus entre personne. Nous qu'à considérer comme consensus de faux semblants. C'est raison ça qui fait groupe concertation hein, opter pour l'organisation des élections en passant bien entendu par le rétablissement de la sécurité. C'est raison ça qui fait groupe concertation hein, li rentré dans l'accord 21 décembre 2022 sous base des objectifs bien définis. Rétablir sécurité, former un gouvernement qui est responsable, mettre sous pied un KIP équilibré et la tri. Il y a de secteurs ou de groupes qui dénonçaient le Premier ministre Ariel Henry qui a dirigé le pays depuis 2 ans sans aucun contre-pouvoir. La réalité, c'est vrai. Premier ministre Ariel Henry n'a pas gagné aucun contre-pouvoir. Mais pour nous, dans le niveau concertation, la vraie vérité, c'est qu'il ne peut y avoir de contre-pouvoir dans le cadre d'un pouvoir de transition. Le seul moyen
d'avoir le vrai contre-pouvoir, c'est à travers des élus qu'a sorti dans l'élection.